Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons la dynastie des Junia. Oh, ça a enchaîné. Hein. Alors, on défend, je crois, Ariminum contre Massilia. Plus de 7000 contre, bon, en gros, 1 pour 2. Plus de 7000 pour moins de 3000, pour à peu près 3002, je crois, un truc comme ça. Eh bah non, c'est pas possible, 4002, oui c'est mieux. Ouh les maths. Bataille défensive, ça va être... Ça va pas être facile, on a que du pring qui pèse, un peu de cavalerie. Et là du hoplite, qui est une unité assez forte en début de partie. On va se méfier également de sa baliste grecque. Et de ses cavaliers tarentins, de ses unités à distance. Allez, on va mener la bataille sur le champ. Parce que je suppose que... Oui, évidemment. En résolution auto, on est donné plus que perdant. C'est tout à fait normal. Donc bataille de Ariminum, c'est ça. On a un peu d'armée de garnison. Mais je crois qu'elle est même pas complète parce que c'est fait. Quoique, je sais pas. Ah si, peut-être complète. J'ai rien dit, rien dit. Bon, là en vrai, ça va être assez tendu. Va falloir que je la joue finement au niveau de la cavalerie. Je sais même pas d'où viennent les renforts en fait. J'ai le vest, mais ils sont où le vest? Pourquoi ils n'ont pas été pris? Eh? Ok, bon. Déjà, eux, on va les mettre juste devant le rivage. Très bien. Je peux pas faire beaucoup plus au niveau de la défense que... Je peux pas élargir beaucoup plus. Je peux les attirer ici. Non. Non, je veux pas les attirer, au contraire, je fais en sorte qu'ils viennent pas ici. Le maître arrive, je vais les foutre ici. Ah, j'aimerais bien... défensive. Oui, d'ailleurs, j'ai peut-être pu commencer par là. Voilà, pour bloquer le passage, toujours se bloquer ce passage. Je sais que c'est là où il y a le plus d'unités qui essaient de passer en général. Alors, il me revient un truc. Je cherche une expression que j'ai déjà entendue. Mais je me souviens pas. Oula, ça c'est dégueulasse. Bon, on va jouer autrement, tiens. Alors on va les jouer comme ça, feu volonté, non pas sur le début. Yari. C'est quoi l'expression? Ah. Reza Triarios Reddit. Aller au Triari ou en arriver à recourir au Triari. Signifiant entrer dans le vif du sujet. Si on en arrive au Triari, ça veut dire que c'est. Enfin, plus en termes de bataille, ça veut dire que c'est la merde. ma cavalerie, je vais la mettre là. Hors mon général, bien évidemment. La plèbe. Vraiment, on s'en fout un peu. Et le reste, c'est que du. Ah non, c'est. Ouais, Tororari. Ça, c'est. Ce sont les unités de. De garnison. Que je vais foutre là, d'ailleurs. Allez, formation carrée. Ok, j'ai du Triari. Du. Principes. D'ailleurs, du Principes, je vais en foutre 3 ici. Déborde un peu plus comme ça et je vais avoir 4 unités de Principes movibles
Ah, c'est risqué en même temps. C'est risqué parce que... on verra s'il y a du monde qui vient par là. On, ça, voilà, c'est ça amenait à bouger tout ça. Bon, bien évidemment, ils doivent venir de là-bas. Ils vont envoyer leur cavalerie Tarantine. Ah, j'ai fait ça. Passer en mode tortue. Protection contre les unités à distance, parce que là. On a quelques levesses. On va mettre quelques levesses là-bas. Là aussi en tortue. Ouais, on va voir est-ce que les renforts. Il y a des renforts à eux qui arrivent là-bas. Oh la vache, la cavalerie. Civil, tirailleur, civil, civil. Je vais pouvoir retirer la. Ah, j'aimerais pas me retrouver bloqué ici avec ma. Avec ma cavalerie. Allez, on va passer là. Très bien. Ok, là ils sont bien en formation de tortue, impec. Fait chier. Je suis obligé de reculer là. Vous les gars, non, non, non. Bah, voilà. Pas de tir en projet. Pas de tir de projectile. Ici, là, ils balancent tout sur la cavalerie de tirailleurs, c'est bien. Là, leur unité de cavalerie, elle va prendre cher. Ouais, je me suis pris une belle charge quand même. Là, ils sont dans un goulot d'étranglement, ce qui fait que ça casse un peu leur charge. C'est vraiment parfait, ça. Eux, stop. Viser un des généraux quand ils sont un des généraux, un des généraux. Oui, c'est ça, un, deux. Mince, je vais voir. Lui, Zotikos, là. C'est quoi ça? Comme libre enrôlé. Ok, là, on est bien. Là, on peut retirer le mode formation tortue. Ici, ça va pas assez vite à mon goût. On va aller sur le côté. Et on va lancer nos pylônes. La base, il n'y a aucune raison que ça tienne pas. Du moins pendant un bon temps. Et ils ont d'autres unités à distance ou pas? Ah oui. Cavalerie Tarantine là-bas. Je vais vider mes munitions sur la cavalerie Tarantine. C'est important. Là, ça a fonctionné, ouais, le fait de passer au pilum a très bien fonctionné. Mais... La cavalerie civile, pareil, les pilums, ça va lui faire du mal. Il n'a pas l'air motivé à envoyer ses soldats au corps à corps, ses unités de corps à corps sur moi. Ouais, là, ça va être chiant, par contre. Hop là. Ok, très bien. Je vais avancer juste comme ça, je pense. Non, même pas forcément besoin. Comment ça, ma cavalerie, elle prend des tirs là? Je vais faire sortir ma cavalerie, ma cavalerie se prend des projectiles de je sais pas quoi. Oh non, alors on va pas la sortir. Parce qu'ils vont essayer de recharger sur le côté là. On les attend, on est prêt. Une blague? Ah, j'ai cru qu'il allait passer par là. Bon. Allez, j'ai mon unité corps à corps qui s'en occupe. Non mais ils vont vraiment pas passer, on est d'accord là quand même. Il y a du monde quoi. Attends, quoi? Quoi? C'est quoi toutes ces pertes? Pardon? J'ai perdu combien? Oh non. Ah je sais. Ah, je sais ce qui se passe, c'est la baliste, il y a une baliste qui me canarde là-bas. Elle est où la baliste? Elle est où la baliste? Oh purée, il y a une baliste qui me canarde. Oh terrible, eh, ça fait mal en plus. Je vais bouger mes unités, je vais les foutre à couvert là-bas. Ah purée, c'était ça. Mais attends, mais elle est où? Elle est où la baliste? Ah la vache, je la vois pas, c'est terrible.
Le fait que je vois pas la baliste. Oh la vache, elle est où? Elle me tire d'un endroit inconnu. Mais c'est taré ça! Elle est où? Non mais vraiment, premier degré, je la vois pas. Elle est là. Oh putain, terrible. Arrête. Heureusement qu'ils ont pas tiré sur mon général quoi. Oh là là, bon là ça devrait tenir. C'est quoi, je vais quand même remonter. Purée. Oh, j'ai eu énormément de pertes à cause de cette baliste. Ah, j'ai rien capté. Ah, oh, je suis pas bon. J'ai pas été bon. Là, ça tient comment? Ah. Ça tient pas ouf. Allez, on va prendre ces 3 unités là et je vais les envoyer là-bas. Ah, ces 4 unités, je vais les envoyer là-bas. Bon, la baliste, maintenez. Oh la vache, oh, je l'ai pas vu la baliste quoi. Elle était bien planquée et en plus, moi qui ai du mal avec les couleurs, je l'ai encore moins vu. Là, j'ai vraiment du mal à voir ça. Voyons, voyons, là ils passeront pas. Ça reste des triaries, hein. Normalement c'est censé tenir quand même. Alors par contre les gars, vous allez retenir votre pilum. Là on va arrêter de les faire courir, avant qu'ils soient trop fatigués. Voyons voir. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autres unités qui viennent de là. J'ai rien dit. On est d'accord qu'il y a d'autres unités. Ah, ce sont des omnibres enrôlés classiques. Alors ça peut valoir le coup par contre. J'ai la bonne cavalerie de choc. Je vais la préparer et je vais charger quand ils seront plus dans la forêt. Ça lui fera de la bonne perte. Oh la vache, les pertes que j'ai eues à cause des balistes. Terrible. Lui, ah voilà, lui il est pas bon. Hein. Eux, ils ont plus de munitions, donc on va les envoyer derrière. Inutile de leur faire de la perte. Là, les hoplites, bah, ils se prennent les pilums à gogo, quoi. On prépare la charge sur différents fronts. Il va pas aimer la blague. Attention, on a d'autres qui viennent derrière. Moi, si j'ai un par un. Hop, on se reprépare à charger. Très bien. Ça fait un peu de perte. Oh là, regardez, là, ils sont engouffrés là-dedans. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, mon but, ça va être d'arriver comme ça. Et de les prendre en étau. C'est la cavalerie, ça, je me dis. On va, là, je vois plus d'autres unités ennemies. Parfait, moral défaillant. Hop, dès qu'il sera barré, hop, on y arrive. On va se mettre ici. Je vois plus trop d'unités ennemies. Là, on a bloqué. Attends, ils auraient pas plus d'unités, comme si. Alors, moi, qu'ils aient tout foutu là-bas. Bon, bah, vous savez quoi? On va faire le tour avec eux. Ouais, c'est bon. Là, on a bloqué toute retraite possible, normalement. Oh, ça bug, hein. Il y a beaucoup d'unités. Après, on tient. Avec la cavalerie, on poursuivra les fuyards. Ah, ils sont tous passés par là, ils ont tous décidé de passer par là. Ok. Pourquoi pas. Là, ils sont pas bien placés à mon goût.
Là, ils font le tour, les Triari. Triari, je vais les replacer parce qu'ils ont... Oh oh. Ils sortent d'où, eux? Eh merde. Eh merde. Ils sortent d'où, sérieusement? Non mais attends, il y avait personne. J'ai vérifié, il y avait personne. Ah, c'est pas cool, ça. Bon. C'est pas grave, je vais envoyer ma cavalerie charger les hoplites là sur le côté. Oh mais regarde-moi ça là. Oh terrible. Je regarde, y'a personne, je regarde, y'a tout le monde. Là je peux pas laisser ces unités là charger mes. Hop, alors toi. Tac. Terrible. Terrible. Je te le dis, c'est terrible. Ok, là la charge elle a fait du bien, non même pas. Même pas plus que ça. Par contre toi si tu te barres pas, je te jure que ça va mal se passer. De toute façon même que tu te barres ou pas, ça va mal se passer. Des frondeurs, ah ouais, tous les renforts là ils reviennent par là-bas, super. Bon pas ouf, je vais envoyer Triari. Juste pour dire salut les mecs, vous êtes entourés, ça va leur faire une bonne baisse de morale ici. Les vitesses, on va leur demander à faire le tour. Ah, les frondeurs là, ils commencent à me piquer le fiac un peu. D'autres unités derrière, d'hommes libres. Pas bon. Là, ils arrivent à tenir. Hein. Allez. Chargez-les-moi. Non, eux, ils ont pas fini. On prend trop de tirs là, des frondeurs, c'est pas bon. Ah, ils sont 13, les mecs. Ils sont 13, ils sont sous leur feu allié en plus. Là, ils sont deux contre, je sais pas combien, mais ils tiennent. Bon, ce sont des hoplites. Hein. Hop, on va reculer. Ah merde, j'ai une unité qui a... J'ai une unité qui a fui. Bon, eux, là, je vais pas avoir le choix que de les faire venir ici, s'il obéit. S'il veut bien obéir, oui. Là, toujours pas, hein. Ils sont beaucoup trop forts ceux-là. Là, je charge les frondeurs. Hein. Je vais être obligé de charger les frondeurs, ils vont me mettre une salve. Parce qu'ils ont vraiment pas mal de portée. Même pas. Parce qu'ils sont barrés. Hein. Je vais envoyer mon unité là à leur rencontre. Ils ont pas peur. Hein. Ils ont de la cavalerie à côté, ils bougent pas. Bon. Je vais aller mettre en formation tortue. Il met trop cher. Il va beaucoup trop me mettre cher. C'est quoi cette charge? Mais dégueulasse quoi. C'est quoi cette charge dégueulasse quoi? Il y a la moitié qui est derrière. Enfin. Oh putain, et heureusement que j'avançais parce que là les. Ok, là je suis en train de perdre ma cavalerie aussi, je suis en train de perdre tout. Pas ouf quoi. Ah bah Triari là ils vont aller dans le tas parce que ils commencent à m'énerver le truc. Là-bas ma cavalerie s'est faite rattraper, forcément. Je vais aller choper ceux-là. Voilà, ils ont voulu jouer, ils vont perdre. Non, c'est pas le moment toi. Bon, je vais faire sortir ma cavalerie là-bas, j'ai pas le choix. Là ici il devrait aller tranquille. Je mets en formation tortue pour absorber le premier jet de rien du tout, parce qu'ils sont sortis de la formation tortue avant.
Bon là ça devrait aller. Comment ça, retraite? J'ai entendu retraite. Oh putain, j'ai des unités là qui se barrent. Hop, je vais aller faire le tour ici. J'en ai pas d'autres qui viennent de ce côté-là, c'est toujours une bonne nouvelle. Là, ils tiennent beaucoup trop, ils sont 44 quoi. Ils sont 100 contre 1000 et... Allez. Voilà, bon, ma cavalerie, heureusement, elle arrive. Les frondeurs devraient pas faire les beaux trop longtemps, encore des frondeurs, des hommes libres. Soki, Soki equites extraordinari, fils de Mars. Soki equites extraordinari. Extraordinari. Engagement. Hop, là ils sont 30. Putain, ils sont 30, ils sont... Je vais le laisser là, lui, voilà. J'ai mes troupes qui commencent à faire le tour, c'est bien. Eux, ils devraient tenir encore un petit peu. Là, on va y avoir une belle charge. Et encore de l'homme libre enrôlé. Ah, y a un tirailleur. Un tirailleur, ça va. Là, on va faire une bonne charge. Là, s'il se concentre sur ma cavalerie, il va se prendre une autre cavalerie de face. Lui, je vais les envoyer. Putain, les tirailleurs sont déjà là-bas. Ils sont très rapides. Là, il y a une bonne charge, double bonne charge. C'est quoi ça? Ah merde. Ah, il y a encore des omnibus enroulés là. Là, on va refaire une charge. Faut continuer d'avancer. De toute façon, j'ai pas le choix avec la cavalerie. Là, pendant ce temps-là, moi je fais fuir une partie de leurs troupes. C'est... Là, non, là, faut que je recule. Ma cavalerie, elle a pris cher. Après, là, je fais fuir les hommes libres. Grâce à mes principes. Je parle d'une charge, quoi. Bon, ma cavalerie, elle s'est faite bouillave. Hop, ici, on est passé. Ici. Ça y est, ils ont fini eux. Putain. J'y croyais plus. Ok, c'est 4 premiers plus les triari. Donc les triari, je vais les foutre là-bas. Les 4 premiers, je vais les foutre ici. Là-bas, est-ce que ça tient? J'en sais rien. On va y envoyer le général. Déjà, on va le laisser planquer. Maintenant qu'il n'y a plus les unités à distance. On va envoyer d'autres unités là juste pour le renfort moral. Soutien moral. Ici, pareil. Soutien moral. De la supériorité numérique. Non, mais où est-ce que tu vas, toi? Je sais pas où il s'est barré, mais. Pas au bon endroit, hein. Ça je peux vous le dire. Je vais le foutre là. Ma cavalerie là-bas, elle va tomber. Mon principe va tomber. Là, ils vont balancer leur pilum. Ils en ont plus. Donc, ils vont rien balancer du tout. Je vais charger ici, moi. Là, j'ai mes unités à distance qui balancent ce qu'il faut. Mes triari, je pense qu'ils vont pas y arriver à temps. Ça va beaucoup trop vite, ça. Principes sont en état de fatigue. Ah. Ça, je peux pas passer sur le côté parce qu'ici. Ah si. Ah si, ils ont juste été cons. Allez, on force le passage, les gars. J'ai mes triari qui arrivent. Tortue ici aussi. Ils ont voulu passer. Là je vais le mettre en mode escarmouche. Parce qu'ils en veulent à ma gueule. Voilà, bingo. Là ils m'en veulent. Par contre ils sont passés là, ils auraient dû.
pas venir m'embêter plus que ça. Là, on absorbe les... Pourquoi on s'est foutu? On est traviole, je sais même pas pourquoi. Et du coup, on se prend des tirs de fou. Bah écoutez, c'est pas... Là, la charge, elle va rien faire du tout. On parle de Triari quand même. À votre commandement, Triari. Félites. Au pas de course. Fils de Mars. Ok, bon c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a encore des renforts qui arrivent? Non, ça, voilà, j'ai tout fait le nombre d'unités à distance. Là. Là, il absorbe pas assez, il absorbe pas assez le tir, je vais le remettre droit. Oh, les tirs de dos. Une fois qu'ils seront bien mis. Ok, allez. Bah, il s'est refoutu de traviole. Non, c'est bon. La tortue défensive. Normalement il devrait avoir moins de pertes hein, en théorie. Quoique. S'ils retirent leur formation tous les 3-4 matins, ça risque d'être compliqué cette histoire. Bon. Tous de fiers romains. On a plus de munitions. Super. Et en si. Nous attendons vos ils en ont plus. Mais ils en ont encore. On va lancer tout ce qu'on a. Là-bas des Leves. On va les regarder là-bas. Avec la plèbe. Et on va aller poursuivre les unités là de lance-projectile. Non, on est passé par là les mecs. Arrêtez de vouloir faire le tour. Attends, quoi? Comment ça lui il va faire le tour justement? Non. Très bien. Si, si. Ah non, bah il buguait juste, c'est ok. Ils sont encore en formation, je suis mouche. Ok, on balance tout ce que vous avez, les mecs. Chacun, pas de jaloux. On voit tout ce qu'on a. Là on vide les munitions, très bien sur les hopliques qui sont juste là. Prinkipes là, ils ont l'avantage. On protège nos Prinkipes. Eux ils servent à rien ici, donc je vais leur demander de venir là. Voilà, et là au moins on se prend plus les tirs de projectiles. On s'en prend beaucoup moins quoi. Une fois que les ce sera réglé le problème, on pourra enchaîner. Les triari les envoyer derrière. Aider les autres quoi. Allez les munitions là-bas. Ok. Hop, ici c'est bon, donc là on va envoyer Triari. Là aussi, et eux là. Et là-bas la poursuite, impeccable. Les Triari ils devraient gagner. Donc j'en veux un là-dessus, j'en veux un là-dessus. Et j'en veux un autre sur celui là-bas. Lui, on va pouvoir l'envoyer sur le côté. Bon, on va lui demander d'aller sur cette cavalerie. Là-bas ça fuit, hop, à part les unités là qui poursuivent, je les mets toutes en mode garde, je veux pas qu'elles aillent se perdre. Parfait. Parfait, parfait. D'accord, il n'y a plus de renfort. Là, ils vont atteindre le bord de map. Donc, ils vont rien pouvoir faire. La plèbe est essoufflée comme il n'y a pas. Brave Romain, sans alors, les mecs. Ok, et là, on va resserrer à fond notre formation. Sauf le général, par contre, faut pas déconner.
Voilà. Là, ça va pas leur faire du bien. Ouais, alors, on va repasser en carré, là. Ça va vous faire du bien aussi, par contre. Excusez-moi, je vous ai un peu... un peu violenté, les Rorari. Là, ça avance tranquillou. Là, c'est au contact. Hop, tiens, je vais essayer d'aller plus sur le côté là. On a l'avantage numérique, pas encore, mais bientôt. On n'a pas l'avantage de morale, hein, par contre. Hein. Voilà. Il y aura eu de nombreuses pertes hein, dans tous les cas. Autant du mien que du sien. Autant de son côté que du mien. Les Rorari, vous bougez pas. Là, il y a des signes de faiblesse partout. Allez, on va pouvoir commencer à accélérer. Voilà. Il va y avoir de plus en plus de... une perte de morale normalement et ça devrait être bon de mon côté. Voilà, là va, ça arrive au corps à corps. Bon, c'est la plèbe donc c'est pas fou au début. La plèbe elle va se faire fumer. Non, non, et putain. Trois fois que je lui ai demandé de. Voilà, et là on va passer sur le côté. Tenez bon la plèbe, tenez bon, tenez bon, tenez bon les gars. Alors on attaque par le côté, là il va pas aimer la blague. Ouais, bon la plèbe c'est vraiment pourri. Même là, je sais pas donné gagnant bah, à cause de, du moral pourri de mes unités quoi. Allez, on resserre encore un coup. C'est comme les vis, c'est comme un rouage. On resserre petit à petit la formation. Ouais bon bah là-bas forcément c'est en déroute complète. Quoi là-bas aussi? Oh terrible ça par contre. Oh la honte. La supériorité numérique quoi. Face à des frondeurs. Des Leves face à des frondeurs. On rappelle que des Leves sont les vitesses ont un petit bouclier là où les frondeurs n'en ont pas. Hein. Ouais 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 ouais. Hop ça y est ils sont revenus eux. Allez, passez sur le côté là, vous allez attaquer par l'arrière. Allez, allez, on resserre tout ça. Ouais, 19 les primes qui passent ici, c'est compliqué. Voilà, on va se placer pour faire une belle charge par derrière. Là, il essaie de faire tourner le combat pour que je reste pour garder leur arrière couvert, mais rien à foutre. Toi là, et voilà. Toi là, tu vas là, toi là, tu charges. Voilà, confiant, il passe en maintenu. Là-bas, pas ouf. Ouais bah là-bas on s'est fait pourrave quoi. Avec les unités qui fuient. Là bah forcément on se prend des tirs de projectiles en attendant. Vu qu'on est plus au corps à corps. Ah là ils ont gagné là-bas. On va pouvoir les aider là parce que... ah, s'il vous plaît maniez-vous. Je perds pas mal d'unités encore ici. Hein. C'est pas gagné là. Ils sont maintenus mais ils tiennent beaucoup trop encore. On va resserrer un coup. Son général il est pas encore mort. Ça ne saurait tarder. Peut-être que... ah ouais, à mon avis, là, il doit être mort. Ce général-là, il doit être mort. Coup d'inspiration, les mecs. Hop. La prime qui pèse. Oh, il y a des primes qui pèsent qu'on a tué. 300. 300. 200. Les triaris. Même les triaris ont fait un... oh, putain. C'est rare que les triaris, ils fassent autant de victimes. Hein. La vache. Ok, ouais, c'est bon.
Je vais envoyer mon général, hop, pour rattraper quelques unités de fuyards. Non, 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 par contre, vous les mecs, hop, vous lâchez aucune munition. Merde. Je vais faire une bêtise. Bon, mon général, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer du l'expérience. Salut, mon ami. De l'expérience, mais surtout il va se débarrasser de pas mal d'unités ennemies. Oh merde, je l'ai mis en mode garde. Il m'étonne que ça n'aide pas à poursuivre les unités. Lucius Murena. À moins qu'il y ait une unité générale que j'ai pas vue. Ça pas l'air. Oh, il y a du hoplite là-bas, attendez. On va chercher le hoplite. Les hoplites sont forts si on peut éviter qu'ils se reforment. Mirer. Ok, allez, on va s'arrêter là. Ouh, compliqué. Compliqué, mais. Donc 7200 contre 4280. On a réussi à gagner quand même. Ma cavalerie aura bien temporisé, même si, bon, bah, elle aurait été. Elle aura pris cher. Elle aura pris spécifiquement cher. Particulièrement cher, plutôt. Ça reste une victoire. Ça reste une victoire de la Legio 6 Mauretanica. Elle a perdu une unité de Principes, deux unités de Soki, Kites Extraordinary. Il aura perdu. Il lui restera, je pense que c'est mieux, hein, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Il lui restera 15 unités surtout. Et bien difficile, quoi, les 15 unités. Hein. Donc on va réduire les captifs en esclavage. Du grec, ça fait du bon esclave. Je suppose. Et bon, on va terminer l'épisode là-dessus parce qu'il a été spécifiquement long. La bataille était très longue. Ah. Je la ferai au début du prochain épisode. Ah, quoique, non, non, allez, je la fais maintenant. On va pas se prendre le chou, c'est une bataille facile. Voilà, on va pas se prendre le chou. De toute façon, je vais mettre en accéléré. Je vais pas m'embêter. Il y a le 1, 2 d'unités de frondeurs. Bon, bah, ce sera un épisode plus long et un épisode bataille. Voilà. Bon, la deuxième n'était pas prévue, hein. La première oui, mais la deuxième non, n'était pas prévue du tout comme bataille. Ok, hop, tac, 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 tac. Encore un tac en plus. Et on rapproche lui. T'es où toi? T'es là, hop, tac, voilà. Les gars, feu à volonté. Il y a du brouillard, donc c'est moins de portée, c'est ça? Va falloir apprendre à viser, les gars. Hein. Bon, pas. Ah, ouais, si, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, là, oui, moi aussi, peut-être falloir apprendre à viser. Alors, moi je me pose la question, c'est où sont leurs frondeurs? Ah, ils sont là. Parce que les frondeurs, ils peuvent nous tirer à distance, et j'aime pas ça.
Hop là, eux ils ont l'air d'aller vite. Attends, laisse-moi deviner, ils ont tous retiré leur fois remontée. Ouais, bingo. Oh pardon, ça a pas touché là. Encore? Hein? Attends, attends, ça fait beaucoup là quand même. Pourquoi ils ont pas... J'en ai balancé 3 là, on est d'accord pourtant. Attends, mais ils ont des bateaux... ils ont des bateaux renforcés ou comment ça se passe? C'est quoi ce délire? C'est une flotte qu'ils ont? Ah, c'était une flotte, c'était pas une unité de transport. Mais mince, je savais pas moi. Je suis persuadé que c'était une unité de transport, pas une flotte quoi. Bon bah ça va être plus compliqué que prévu forcément. Oui, bah oui, surtout de la manière dont je m'y suis pris quoi. Allez, allez, on charge les mecs, on charge. Ouais, bon bah là je vais me faire fumer ma flotte encore une bonne partie. Ah, terrible, si j'avais fait attention ce serait mieux passé, mais là je fais pas attention. Allez. Gloire à Rome ou gloire à personne pour l'instant, vu ce qu'on a fait là. Allez, coulez-le moi celui-là, coulez-le moi là. Oui bah Rome est ta mère à toi, mais j'en ai rien à foutre. Bon, ça veut pas. Là-bas c'est bon, là-bas. Ouais, on aura eu de la perte. Allez, allez. Faites un effort quoi. Putain. Le bateau il se fait mais fumer dans tous les sens, mais ça suffit pas. Hein. Là, bah ouais, j'aurais perdu quelques navires. Peut-être pas. C'était pas prévu, c'était pas prévu. J'étais persuadé que c'était une flotte de transport. Bah, et ça a pas la tronche d'une flotte de transport, ça, franchement. Non, mais entre nous, entre vous et moi là, entre quatre yeux. Entre 4 ou plus yeux. Entre pas mal de yeux. Entre pas mal d'œil. Ça ressemble pas à une flotte de transport, ça? Oh, je me suis fait avoir. Moi, j'aurais dû regarder. Il n'y avait pas assez de types d'unités différentes. J'aurais dû cheater là-dessus. J'aurais dû comprendre. Ça va. J'ai aucun navire qui a coulé. Je suis rassuré. Par contre, on est. Arrêtez de payer. On va te faire champouiner. Allez, on se laisse vraiment là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, cette double bataille. Non, mais c'est une blague. Moi, je vous propose de me retrouver bientôt pour l'épisode précédent. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob.